Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mr. B. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous recevoir sur la chaîne du vlog et du tourisme en Côte d'Ivoire, la chaîne du vlogueur numéro 1 ici en Côte d'Ivoire. Donc vous faites bien de cliquer sur la vidéo, vous faites bien aussi de vous abonner à la chaîne, de liker. N'oubliez pas de partager la vidéo, c'est très important, ça va permettre un grand nombre de visionner la vidéo aussi et à l'algorithme de YouTube de présenter la vidéo et recommander la vidéo à d'autres viewers, à d'autres internautes. Merci de l'avoir fait et je suis très heureux de savoir que vous êtes toujours connecté à la chaîne de Mr. B. Ça fait vraiment plaisir, vous êtes toujours connecté. Et bien aujourd'hui nous allons parler d'un chantier très important dans la circulation abidjanaise. Vous le savez bien, ici nous sommes du côté d'Agnama et c'est l'échangeur d'Agnama que vous voyez là et aussi les voies qui vont comporter cet échangeur là, ce grand projet d'échangeur d'Agnama tout près de la morgue d'Agnama. Et bien je ne cesserai jamais de dire l'importance, de vous parler de l'importance de ce grand projet, ce grand ouvrage qui va désengorger en quelque sorte la circulation abidjanaise et qui fait partie aussi de la Y4 d'Abidjan. Les travaux ont commencé il n'y a pas très longtemps et aujourd'hui vous voyez l'évolution, le développement des travaux sur ce projet-là. Et dans quelques mois, dans quelques temps, on va assister à la finalisation des travaux, à l'embellissement de ce grand projet ici à Abidjan. Alors, je vous demande de vous abonner massivement à la chaîne si vous voulez voir, n'est-ce pas, la suite, la continuité de tous ces projets, de tous ces travaux à Abidjan et aussi en Côte d'Ivoire. Abonnez-vous, activez votre cloche de notification pour nous donner comme ça, c'est bien. Vous allez être parmi les premières personnes qui vont recevoir la notification comme quoi nous avons publié une vidéo. Donc, comme je vous parlais du chantier de l'échangeur dernièrement de mort, vous le voyez, et la circulation ça dit que la différente voie de l'échangeur est partiellement mise à la circulation, en fait à la circulation. Mais rouge que vous voyez là sur les rouges là, on va les enlever en faisant quoi, en rendant l'espace vert, en coupant par exemple des gazons, des arbustes, afin que cet espace collatéralement que vous regardez, vous ne payez pas pour vous abonner, abonnez-vous parce que c'est gratuit, vous permettez à la chaîne de se développer et la chaîne Mr. B, nous allons parcourir tous les projets de la région et aussi tous les projets de la Côte d'Ivoire, toutes les villes touristiques de la Côte d'Ivoire, partout où il y a de l'attraction touristique, nous allons nous y rendre pour pouvoir vous faire plaisir. Alors n'hésitez pas à développer la chaîne. Nous avons lancé une cagnotte actuellement qui est toujours en cours. La cagnotte consiste à faire un dépôt sur le compte de Mr. B de 200 francs minimum. Si tu n'as pas beaucoup de fonds, tu peux quand même faire un dépôt de 200 francs. Si plusieurs personnes le font,
Voilà, ça va permettre de gonfler la somme afin de nous permettre d'atteindre l'objectif d'obtenir un drone ou encore d'acheter un drone qui va révolutionner la chaîne MrBeast, qui va nous permettre en effet de faire des prises de vue aériennes et là où nous ne pouvons pas nous y rendre, nous allons utiliser le drone pour affirmer. C'est parti, vous allez voir l'entièreté à travers les vues panoramiques sur la chaîne. La raison pour laquelle nous avons lancé cette cagnotte-là. Voilà. Si vous n'avez pas aussi de fonds pour pouvoir nous aider, vous pouvez nous aider en prière ou encore en suggestion, en idée. Si vous avez des sites à visiter, vous pouvez les mettre en commentaire. L'échangeur d'Agnaman a une très grande importance parce que ça va permettre de relier rapidement les autres communes, c'est-à-dire la commune de Cocody, la commune d'Adjamé et aussi la commune d'Akobo. Tous les véhicules qui vont passer par là pour se rendre soit à Azaké, soit à Adjopé, soit à Koupé, à Gouville. Donc ça va permettre de désengorger non seulement la circulation abidjanaise et ça va donner une certaine fluidité, une certaine rapidité au véhicule qui va emprunter ces différentes voies de l'échangeur. Et la E4 également, le contournement d'Abidjan, c'est très très important. Nous allons en profiter pour remercier les autorités de la Côte d'Ivoire, les autorités de la commune d'Agnaman, les autorités de la commune d'Abobo, les autorités de la commune de Cocody aussi d'Adjamé. Et nous allons remercier le gouvernement ivoirien, nous allons remercier le gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Babongo, qui fait actuellement un excellent travail à travers les divertissements et l'assainissement des différentes communes d'Abidjan. Grand merci au gouvernement, grand merci à toutes ces personnes jour et nuit, travaillent pour le développement de la Côte d'Ivoire. Nous aussi, nous allons continuer ce qui se passe en temps réel dans le pays. Dans notre but, nous avons aussi à participer à la cagnotte. Nous avons des taux, Inch'Allah, acheter des taux. La Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus puissants de l'Afrique de l'Ouest. Alors, nous ne restons pas en marge, nous allons continuer, nous allons nous imprégner, nous allons saisir cette opportunité pour montrer la Côte d'Ivoire aux yeux du monde entier. Mon nom est MrBeast, le gars numéro 1 en Côte d'Ivoire. Si vous aimez la chaîne, likez. Si vous aimez les vidéos, partagez. Si vous aimez, abonnez-vous. Voilà, à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et portez-vous bien d'ici là. Rendez-vous dans un autre numéro de vidéo concernant les Yam! Stay tuned.